Pas dans notre culture, c'est dangereux que l'Afrique. L'Afrique a beaucoup de choses à porter. C'est ça, moi, elle dit, l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Nous avons tout ici. Nos seuls problèmes de la société, il y a des gens, eux, ils rêvent. Mathieu se trouve en France. C'est tout leur rêve. Amen. Amen. C'est leur rêve. C'est l'Europe. Europe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Les blancs, même chose, sont inversés en Afrique. C'est ici. Non, seul problème de la sorcellerie, quand tu vas commencer à avoir pris de l'argent, ils vont commencer à t'attaquer. Donc les gens préfèrent aller se cacher. C'est tout leur problème. Mais vous ne connaissez pas les sorciers. Vous êtes là-bas en France, vous avez déjà scanné. Et vous vendez leur caméra. Hein? Tu as l'argent. Oh, bah, il garde ton argent. Il garde ton travail. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous venez, quand vous venez de l'Europe, vous faites malin. Prenez caméra, vous filmez les gens, vous venez faire funérailles. Votre papa, il est 5 millions, 10 millions. Le monsieur est le frustré du bloc. Donc, l'Afrique regorge beaucoup de richesses. Nous avons tellement de richesses ici. Toutes sortes de richesses. Il y a de l'or, il y a tout, il y a tout. Mais notre seul problème, c'est la sorcellerie. Il y a des gens qui ont des démons, ils ont des esprits en eux qui peuvent tenir une fraction de seconde. Je causais avec les gens cet après-midi. Vous êtes en face d'un sorcier, il vous regarde, il vous scanne. Il sait qui vous êtes. Il peut appeler ton âme pendant que tu es en train de causer avec lui. Et puis il vient tourner son dans la bouteille et te faire. Et tu comprends. Oui, après la causerie, tout est bizarre. Tout est bizarre. Amen. Souvent, il n'est pas à tout le monde qu'on doit partager un sujet. Vous avez un problème. Vous approchez des gens. Vous savez, il y a peut-être un projet. Tu fais confiance, c'est vrai. Mais tu ne sais pas où il met sa tête la nuit. Ils sont allés voir Hérode. Et c'est le même Hérode qui a cherché à tuer Jésus. C'est quand Hérode est mort que Jésus est rentré à Jérusalem. Amen. C'est quand il est mort. Parce que Jérusalem, c'est la cité des rois. Jésus était quelque part dans sa région. C'est quand Hérode est mort qu'il est monté. Parce qu'il fallait quitter le trône pour que Jésus entre en possession de ce trône. C'est là que Jésus est, quand Hérode est mort, que Jésus est rentré à Jérusalem. Et il y a des personnes, tant qu'elles seront en vie, tu ne vas jamais émerger. C'est pour ça que depuis cette dernière, de vendredi, nous avons commencé à attaquer ceux qui sont assis sur le trône. Amen. Il y a des gens qui sont assis sur le trône de ta vie. Dieu nous a créés, il a fait de nous des rois. Dis amen. Amen. Il a fait de nous des rois. Il y a des gens qui sont assis sur le trône de ta vie. Nous allons encore les détrôner cette nuit. Amen. Amen. Nous allons les détrôner cette nuit. C'est quand Hérode est mort que Jésus est rentré. Il est à Jérusalem. Les blancs ont compris. Ils ont commencé à combattre la sorcellerie. C'est fini. Ça marche chez eux. Ils sont intelligents. Et les sorciers ont la capacité de prendre ta carte mémoire. Ils peuvent même détruire toute ta mémoire. Cette connaissance-là. Ils peuvent venir enlever ça et jeter ça. Détruire. Tu es là, tu peux te tisser même pas. Il y a un enfant qui peut l'expliquer ça très bien. C'est la dernière fois. Il dit j'ai enlevé la carte mémoire de mon frère. Quand on lui dit d'aller payer savon, il va acheter clé. Il se trouve. Oui. À lui, le dernier. Il dit, mais pourquoi tu ne prends pas sorcellerie pour être premier? Il dit, non, mais sorcellerie n'en prend pas à faire de bonnes choses. Mais oui. C'est pour ça qu'il faut combattre la sorcellerie. Vous savez, vous voyez les sorciers, les sorciers, vous les détectez, mais c'est parce que vous les faites confiance. Sinon, un, c'est caractérisé par la méchanceté. Le gars est méchant, il ne partage pas. Ou bien c'est l'hypocrisie, fait semblant d'être avec toi. Et quand tu le découvres, il fait double jeu. C'est un sorcier. Il est. Il ment beaucoup. Il est comme ça. Il n'est pas sincère. Il aime beaucoup critiquer. Il prend ici, la main là-bas. Il met ici, la main là-bas. Il fait semblant d'être avec toi. Pourtant, il n'est pas avec toi. Il y a des sorciers autour. Il y a des petits signes, vous ne savez pas, mais c'est des sorciers. Ils sont là juste, pas pour t'aider, mais pour te nuire. Il y a des gens qui te suivent là, c'est pour te gâter. Tu vas beau faire monter, descendre, ils ne changeront jamais leur position, jamais. Parce qu'ils sont appelés à ça. C'est pour ça que moi, maintenant, j'ai pris, je ne m'amuse plus maintenant ma vie. On ne joue pas la vie. À une fraction de seconde, tu peux mourir. C'est pour ça que quand je ne cause pas trop, et tu réagis quand la causerie, ça a des limites. C'est comme ça. Ça doit avoir des limites. Vous partagez comme ça vos vies. Le jour où Joseph
est monté. Il a commencé à partager son songe à ses frères, à qui il faisait confiance. Ses songes. Ils l'ont tué. Ils ont voulu le tuer. Il dit là, mon frère, il a un projet. Ah, projet. Ah, tu vas voir. Lui, il va là-bas la nuit, et puis il te ferme. Il te visite dans la chambre. Il rentre dans ta chambre, il ferme. Amen. Sauf que tout à l'heure, chacun va prendre une. Nous allons mettre sur la tête. Je vous donne 4 jours. Dieu va vous montrer comme un film tous ceux qui sont la base de vos problèmes. Amen. Vous allez frapper sur la tête seulement. Amen. Amen. Vous allez frotter sur la tête, parler, frotter sur la tête. Vous allez voir, d'ici 4 jours, c'est comme l'écran. Dieu va commencer à vous montrer ceux qui sont là-bas. Il y a quelqu'un qui a fait ça. Il s'appelle Aruna, c'est un propriétaire camerounais, il est vétérinaire. Je te dis bonjour de passage. Il est venu prendre de l'huile qu'on a séparée. Il utilise ça. Il allait dormir. Il a vu tous les soirs. Il veut même venir le 9. Amen. Le Dieu que nous adorons n'est pas un petit Dieu. Il n'est pas un petit Dieu. Frère, il faut être très prudent parce que partout dans nos maisons, partout, il y a des sorciers. Ils sont maintenant dans nos maisons et tout ça. Elle est venue la dernière fois. Et ils sont venus la dernière fois me voir. J'ai vu un petit petit. Moi, là, c'est pas parce que j'ai abusé des gens, mais j'ai un détecteur dans la tête ici. C'est comme machine à pareil. Si ça fait pas, c'est dedans. Faut monter, descendre, faut commencer à crier. Frère, le défecteur t'a pris. Le petit, je pose un lit au salon, il veut jouer moi, il pleure. Je dis, quitte mon bureau, allez, dégage. Comme tu n'es pas sorcier, ok, quitte mon bureau. Je n'ai plus rien dit, on n'a pas posé la question. Sa tante est venue sans m'aimer, on a prié. Il était sur le point de partir. Quand la femme approche une dame ici, vous dit, hein, j'ai fait des aveux, il a commencé à parler, sorcellerie. Comme il a été initié par une des servantes. Vos servantes l'ont envoyé là, maintenant, elle les fait passer par scanner ici. La Bible déclare, vous avez poussé pour ennemi les hommes de votre maison. C'est ça, ils prenaient soin de votre maison. Ton projet à venir là, c'est la maison. C'est là que ça a commencé. Si tu ne maîtrises plus ta maison, c'est ta maison qui va te maîtriser. Il faut maîtriser ceux qui vivent sur toi. Tu ne les maîtrises pas, il ne faut pas faire laisser aller. Il faut maîtriser tout le monde. Il faut être convaincu que tous ceux qui sont avec toi sont vivent dans ta maison, sont avec toi. Ce n'est pas une question de dire non, tu es contre mon parent. Ce n'est pas une question de contre mon parent. Est-ce que le parent est avec moi? Est-ce qu'il me suit? Est-ce que je suis le chef? Ou de me suivre, m'aider? Celui qui voit autrement, il doit dégager de mon territoire. Et c'est ça notre problème en Afrique ici. Hein? Tu es contre mes parents. Vous prenez maison, faites de ça un village. Cousin vient, il est là. Tante vient, il est là. Vous l'appelez le village. Hey, venez, venez, il y a à manger, venez. Venez. Ils vont te manger un garba matin. Te prendre, te manger un garba. Ils vont t'affaiblir, les sorciers. Ils commencent à t'affaiblir doucement. Ils vont t'affaiblir doucement, doucement. Doucement, doucement. Et puis un matin, paf, tu as terre. Tu as terre. Il a eu ce problème-là, qu'on appelle Joseph. Il a partagé la révélation. Et puis paf, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Attention, votre entourage. C'est Judas qui a livré Jésus. Il dit Jésus, pour l'attraper là, je le maîtrise. Ouais. Si tu veux vivre à une femme, il faut la maîtriser. Sinon, elle-même va te maîtriser. Si tu veux vivre à un mec, un monsieur, il faut le maîtriser. Sinon, c'est lui qui va te maîtriser. Il faut être convaincu qu'il n'est pas sorcier. Pour être convaincu qu'elle n'est pas sorcière. Sinon, ces problèmes que tu as eu toute ta vie, la famille dissimule, ils vont dissimuler la famille. Pendant que tu manges le matin, tu te lèves, tu vas chercher garba et ton, pas son ton là, à qui là. Et ils déjeunent.
Eux, ils deviennent la chair humaine. Et on les appelle les mangeurs d'âmes. Ça veut dire quoi? La Bible dit dans Lévitique 17, verset 11, l'âme se trouve dans le sang. L'âme se trouve dans le sang. L'homme est composé d'esprit, de l'âme et du corps. Et c'est la partie énergétique vitale de l'homme qu'on appelle âme là. Que ça y prend. On n'aura jamais dit manger d'esprit, manger d'âme. Donc plus tu manges l'âme, ça renouvelle en lui ta force. Ça les rend plus forts. Nous avons dans les villages, je pense que les plus âgés vieillissent. Et comme on a commencé à les déranger, ils ont commencé à tomber un peu dans le bata. On va progresser un peu dans le Dibois, et c'est ça. Depuis 12 ans, je vous regarde. Celui qui va me déranger cette année 2015, je te regarde. Tu veux me déranger. J'ai un pouvoir à moi. Celui qui va me déranger sur tous les plans, je te découvre que c'est toi qui m'empêche, qui va m'empêcher de faire mon ministère. Aïe, 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 aïe. Je vais te montrer ce que Dieu a mis en moi. Te descends depuis ta chambre, c'est une minute. Vous ne savez pas ce qui est en vous. Ce qui est en vous, là, c'est puissant. Pourquoi on joue à vous? Souvent, il les voit, ils viennent ici. Il y a les gens qui viennent enquêter sur nous. Il les voit où? Il les voit ici. Je dis rien, il les regarde. Mais le jour où j'ai senti que tu m'entends me déranger, moi, je te tue. J'ai un pouvoir, moi. La Bible dit, la vie et la mort se trouvent au bout de mes lèvres. Vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. Je vois pendant que je chante des marchés, je vois les sorciers en train de venir. J'ai fait ma prière de main visible et passe. Que je continue. Entre Satan et Dieu, qui compris son camarade? Hein? Quand ils disent invisible, ils ont vu sorcier déjà en moi. Le jour dans Actes des Apôtres, l'unique Éthiopien, Philippe l'a baptisé, il a disparu, il allait ailleurs. Vous ne savez pas ce qu'il y a en vous. Le pouvoir que Dieu t'a donné, là, tu peux l'utiliser comme tu veux. C'est une question de foi. Moi, je les vois venir, viennent. Ah, le voici. J'ai fait ma plante, je te passe. Tu vois, mais je tape la tête. Bah. Amen. La Bible dit que ce qui est en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui est fort que ce qui est dans le monde. Je les vois venir. Je parle, c'est fini. Souvent, mais viennent m'attaquer chez moi à la maison. Je parle, la maison disparaît, il ne voit plus la maison. Vous pouvez sortir sa maison. J'ai les dérangeants qui viennent me déranger. Quand je commence à parler, c'est fini. Ici, à Divo, on a maîtrisé Divo, c'est fini. Mais ils renouvellent, ils sont toujours forts. Ils viennent toujours attaquer. Ils changent de stratégie, mais ils ne pourront rien. Rien et rien. Amen. Ils ne pourront rien. Je les vois souvent là, ils viennent enquêter. Il y a des gens même qui sont en tenue de policiers, justement civils, ils viennent enquêter sur nous. Je les vois. Je les vois souvent. Souvent, mais je fais semblant de l'écouter. Il faut faire ça. Vas-y, essaie. Que le jour où tu vas me déranger, c'est ton décret de mort que tu as signé. Nous avons le pouvoir de Dieu. Amen. Amen. De donner la vie aux gens. Il faut communiquer la vie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire dans tous les batailles. Personne n'est nié à ça. Depuis que je suis à Zaroko, c'est fini. Sinon, c'est les traîtres. C'est là qu'ils mangent les arbres. Ils ont déjà commencé à manger. Demandez aux gens, là, il y a eu combien de mois à Zaroko? Il y a combien de jeunes qui sont morts? Demandez, dans ce temps-ci. Depuis qu'il y a eu à Zaroko, c'est fini. Là où c'est combattu, là, c'est fini, ça s'arrête. Ce sont ceux qui tendaient les familles, c'est les sorciers. Chacun dort pour lui. C'est pas là où vous faites là-bas. Monsieur, vous dormez. Vous dormez. Hein? Vous voulez planer un peu? Vous êtes courageux? Où tu as acheté ce homme de courage là? C'est dans quelle pharmacie tu as acheté ça? Tu n'as pas acheté? Tu es courageux comme ça? Il dit oui. Tu es courageux. Tu es sorcier. Depuis la vie, les sorciers, les danseurs, les danseurs, les chiens. Non, il y a musique. Des gens, la voisine, ils ne sont pas venus. La voisine, je les regarde. Je vais nettoyer. Je suis en train de jouer la comédie, s'il te plaît.
La Gonzi, ils ne sont pas venus. Élie et la Gona, ils sont derrière les nazis. Qui est fou? Amen. Moi, je m'en fous des sorciers. Je suis allé à la funéraire de ma grand-mère. Il y a une sorcière qui vient me manger. C'est moi, elle a vu pour manger dans la maison. C'est moi qui viens manger ta maison. Dormais, c'est quelqu'un de crier dans la chambre. Moi, il a vu Martin. C'est quoi? Les gens ont vu. Elle est au village, on sait que c'est sorcellerie. Il y a des maladies, on dit, ça là, c'est sorcellerie. Elle a voulu faire sorcellerie. C'est Martin, dit, ah, c'est toi qui voulais manger, et moi. Mais le petit, il a peur. Il veut, les gens, ils ne veulent pas. Ah, pourquoi tu veux manger l'enfant? Tombé. 4 jours, elle est morte après. Vous, c'est quand vous venez au village, vous faites, j'ai un sec, j'ai une prière. Quand vous finissez le village, vous, je n'ai plus. Vous, dans mes moi, je dors. Je n'ai pas peur des sorciers. Parce qu'il y a Jésus dans ma vie. Jésus dans ma vie. Les techniciens, ils sont venus faire mon clip. Il me voit à la télé, puis il dit, un jeune comme ça, Choco, celui qui parle des sorciers. Tu t'as mis les sorciers, hein? Sorcier de nos camarades! Sorcier! Donc lui, il me voit en plaisantin. C'est maintenant qu'il me découvre. Puis il dit, quand il a commencé à faire mes vidéos, Je lui ai dit, tu sais, ça c'est pas un travail. T'as arrêté un matin pour dire à sorcier, tu as moyen qui? Tu as moyen ça. Ou même venir à la télé pour lancer un défi. Je lance pas des défis, je montre aux gens que Jésus peut les protéger. L'Afrique a la recherche d'un Dieu protecteur. C'est tout le problème, ça. Il faut que quelqu'un vienne les protéger. Ils ont la raison, ils sont intelligents. Mais les sorciers, ils gardent tout. Et j'ai dit aux gens, il y a de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. En Jésus-Christ, il y a encore la vie. Jésus donne la vie. Je suis dans une région qu'on appelle le Grand Laou. On a trouvé un passeport dans une tombe. Notre ministère là, nous allons jusqu'à la restitution. Amen. Ça dit quoi? Si tu as parlé, tu dis que tu es sorcier, tu as gâté qui, gâté ça, tu as mis quoi? Où tu as caché là? C'est ce qui nous intéresse. On ira jusqu'à enlever ça. Elle là, son papa a dit, ah, le canari là, tu peux maintenant venir déterrer ça. J'aurais déjà dit, la chance, votre chance, votre papa là, ça dans sa maison. Et maintenant le feu vert. Et j'attends pour aller gérer le dossier avant la fin d'année. J'ai aussi un dossier. Vous savez, quand vous me verrez, les gens ils pensent à gérer le dossier des Canaries, là. C'est amusement. Aller déterrer fétiche. Ce n'est pas amusement. C'est le pouvoir de Jésus. Amen. Et le pouvoir du prophète, c'est l'aigle. Le prophète, c'est un aigle. Il a la capacité de détecter les choses puis détruire. Quand un sorcier te dit, il a mis quelque chose quelque part, il faut que ça soit détruit. Et c'est ça souvent les gens dans les églises. Un sorcier t'attaque, on ne sait pas quel sorcier. C'est les sorciers. Tu ne dis même pas le qui a fait le sorcier. Moi, je dis, c'est ton papa. Je vais cacher. Mais je vais me rendre là-bas et puis je vais le désarmer. J'ai déjà fait ma prière, j'ai déjà maîtrisé la situation. Quand j'ai donné le programme, j'ai mis le système en place. J'ai déjoué le système. Je suis allé changer à lui. Dès que je suis arrivé dans la maison, j'ai pris l'âme, j'ai jeté. Je lui ai redonné son âme. Jésus a un pouvoir. Amen. Amen. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux, vous allez voir trop de choses. Dès que je suis rentré dans la cour, l'âme de cette dame était là-bas. J'ai récupéré l'âme, j'ai jeté ça. Va. Et la vie est revenue en elle. Et j'ai dit, il y a Canarie. Maintenant, le papa il confirme, il dit, oui, il y a Canarie. Mais viens déterrer la chose. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Jésus est puissant. Amen. Donc on se met à la télé, c'est pas parce qu'on veut faire malin. Non. Mon départ, je ne m'intéressais même pas même l'Internet. C'est des gens qui ont dit non, c'est important, c'est un outil de communication. Et depuis qu'on a commencé à communiquer, les gens.